Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne Pastry Freak. Je suis ravi de vous accueillir dans ma cuisine aujourd'hui pour réaliser avec vous des biscuits qui vont être parfaits pour le goûter. On va réaliser ensemble des cookies, mais des cookies très très gourmands puisqu'on va les faire tout chocolat avec une pâte au cacao, des chunks de chocolat noir, des chunks de chocolat blanc et des éclats de noisettes. Vous allez voir, ils sont hyper gourmands, hyper généreux et très régressif. Avant de commencer cette recette, je tiens absolument à vous remercier du fond du cœur pour votre grande fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mes réseaux sociaux. Du fond du cœur, merci. Ça me motive pour faire d'autres vidéos. Je vous rappelle également que vous pouvez liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Activez les petites alertes pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez retrouver toutes mes recettes en version imprimable sur mon blog. Je vous mets le lien en barre de description. Celle-ci s'y trouvera également. Et maintenant, si vous êtes prêt à réaliser avec moi ces délicieux cookies tout choco, eh bien c'est parti pour la recette. Pour réaliser nos cookies tout choco, nous aurons besoin de 160 g de beurre, 130 g de sucre, un œuf, 200 g de farine, 50 g de cacao non sucré, 3 g de levure chimique, 100 g de chunks de chocolat noir, 60 g de chunks de chocolat blanc et 75 g de noisettes concassées. Dans la cuve du batteur, versez votre beurre pommade ainsi que le sucre et mélangez l'ensemble à l'aide de la feuille jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ajoutez ensuite l'œuf, puis continuez à mélanger jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé. Au-dessus du mélange précédent, tamisez ensemble la farine, le cacao et la levure chimique. Mélangez à nouveau jusqu'à obtenir une pâte à cookies homogène au cacao. Ajoutez à présent vos chunks de chocolat noir, les chunks de chocolat blanc, ainsi que les éclats de noisettes. Puis mélangez jusqu'à ce qu'ils soient totalement incorporés à la pâte à cookies. À l'aide de vos mains, façonnez des boules de pâte de la taille d'une petite balle de ping-pong. Placez-les ensuite sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de cuisson. Puis aplatissez-les légèrement et disposez en surface quelques chunks de chocolat ainsi que des éclats de noisettes. Faites cuire vos cookies à 180 degrés pendant 15 minutes environ. Une fois cuits, laissez-les refroidir. Mais ils vont rester bien moelleux et très gourmands. Et voilà, ils sont tout chauds, nos cookies sont prêts, ils sont comme je les aime, bien moelleux à l'intérieur et croustillants sur les bords, avec un goût intense de chocolat. J'espère que vous allez vous éclater comme moi à les réaliser, vous allez voir que vos enfants vont les adorer, à mon avis, ils vont en faire leur affaire en quelques minutes. Comme tous les biscuits, je vous rappelle que vous pouvez les conserver plusieurs jours dans une boîte hermétique. Vous pouvez retrouver cette recette en version imprimable sur le blog. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Laissez-moi vos commentaires en bas, j'essaierai d'y répondre autant que possible, j'en reçois beaucoup, donc je fais de mon mieux. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine recette gourmande en vidéo. Ciao !